Dear viewer, make sure you click on the subscribe button and the notification bell, and be the first to watch new videos of Apostle John Chi. Watch and be blessed. During the Friday prophetic service of the Ark of God's Covenant Ministry, the man of God Apostle John Chi moves in the midst of the congregation, and the Spirit of God leads him to give messages of prophecy to the people. As the Bible clearly states in Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." God has promised not to leave his people in darkness. Jesus Christ is the light of the world, and whoever follows him shall never walk in darkness. There is a brother there. Il y a aussi un frère ici. Something happened to you. Quelque chose t'est arrivé. When you were taking your shower. Pendant que tu te douchais. And a spirit entered you. Il y a un esprit qui t'est entré. To satisfy yourself. Pour te satisfaire. Now you have uncontrollable urge. Et maintenant tu ne peux plus te contrôler. Even while we were here in the church, that desire to go and satisfy yourself is still coming up. Même pendant que nous étions à l'église, ce désir d'aller te satisfaire est venu. Cet esprit va te détruire. So, I want to destroy you. Man of God, what you said about me is true. It was in July when I went to bury my mother in the village. I was in the bad bathing. I felt like something entered my body. Even here in church, it's like I want to get mad. But you satisfy yourself. Yes, I satisfy myself all the time. Masturbate. You masturbate. Yes. Come on. He's free. I'm called Sawan Henderson Asule. The person next to me is my sister. It was last prophetic service. The man of God called me. He mentioned that there's a man behind the church that he was bathing. Something entered his body that is having uncontrollable lust. I confirmed it to be true. Last year, when I went to the village, a funeral to bury my mom, I was in the bad bathing. I felt like something entered my body. Since then, I've been feeling a strange spirit in me. I like going out for guests, like uncontrollable lust and masturbation. That's what has been happening to me. Alors le monsieur se présente, il présente la dame près de lui comme étant sa sœur. Il nous fait comprendre qu'il est venu ici il est venu confirmer la parole de prophétie qui est sortie dans sa vie. Lors du culte prophétique dernier, l'homme de Dieu l'a localisé. L'homme de Dieu a dit qu'il y avait un monsieur au fond de la salle qui, lorsqu'il se douchait, il y a un esprit qui entrait en lui et il a commencé à avoir un désir incontrôlé. Et c'est alors qu'il est ici pour confirmer cette parole d'être vraie, parce que cette parole... Il nous confirme parce qu'en juin dernier, sa maman est décédée, et quand il est allé au village, il est allé se baigner, il est allé se doucher et il a ressenti un esprit qui lui est entré. Et depuis lors, il n'arrive plus à se contrôler. Il a un esprit de masturbation intense et de même qu'il est habité par un esprit de convoitise également. A spirit of lust entered me. I was going out with girls, many girls that I cannot even name. That's what was going on with me. Then for the masturbation, I was sitting in the house. A day, I would masturbate like 2 times a day. Despite the numbers of guests I had, I was still going for masturbation. Alors, il continue en disant que cet esprit-là qui est entré en lui a généré en lui un esprit de masturbation et un esprit de convoitise au point de lui donner plusieurs femmes. Il avait les femmes d'ailleurs, il avait les relations avec cette fille-là. Et il dit que quand il rentrait à la maison, il continuait à se masturber. Il pouvait le faire 1 à 2 fois par jour. Bien que se masturbant, il continue toujours à fréquenter cette dame-là. I was moving from one woman to another. With the spirit of law, I could not control myself. Alors cet esprit incontrôlé en lui le poussait à aller d'une femme à une autre. Even the masturbation, I could not control it. When it comes, when I sit in the house alone, I just feel like I should masturbate, even when I had many girls that I could call. Alors étant à la maison, il avait toujours ce désir ardent de se masturber. Il ne pouvait pas se contrôler. Il pouvait appeler cette fille à chaque fois pour qu'ils aient des relations ensemble. That was not just all. The spirit of stubbornness and drugs was also involved in it. I was taking drugs. I was sitting in the house. I just feel like there was this drug they call shisha. I would buy a bottle. I just left it in the house. I was sitting in the house the whole of the day, just smoking it the whole of the day. Finish smoking, I go in for masturbation. Alors il continue en disant que cet esprit a tellement asservi sa vie au point de générer encore en lui un esprit de rébellion et un esprit de consommation intense de drogue. Il nous fait comprendre qu'à chaque fois, il se retrouvait en train de consommer de la cigarette, de consommer toute forme de boisson toxique. This spirit has really destroyed my life. The evil spirit made me to be stubborn. My dad even called me over that I should come over because my dad knew that my problem was that I should travel out of country, but I refused going to my father because of the spirit. So they had destroyed me a lot. Alors, étant donné qu'il était animé par cet esprit de rébellion, son papa voulait qu'il se déplace pour un autre pays, mais il a refusé tout juste parce que cet esprit-là prenait de l'emprise sur lui. I isolated myself from my family for a long time until my father did not want to see me again. Alors, cet esprit-là fait en sorte qu'il puisse s'isoler de sa famille parce que ses parents n'étaient pas contents de lui, précisément son papa, qui ne voulait pas le voir. So I thank God for the word of prophecy that the man of God, Apostle John Chi, revealed to me. Il est ici alors pour confirmer la parole de prophétie que l'homme de Dieu, apôtre John Chi, a déclaré dans sa vie. So after the prophecy, the man of God, Apostle John Chi, prayed for me. My father that never wanted to see me, he called me back that I should come back home. Alors, il nous fait comprendre qu'après avoir reçu ces paroles de prophétie, l'homme de Dieu, apôtre John Chi, a prié pour lui. Et après la prière, son papa l'a appelé de retourner à la maison. My father was supposed to be here to testify with me, but because it's very far, he cannot make it. Alors, à cause de la distance, son papa n'a pas pu être avec lui ici pour pouvoir témoigner de tout ce qu'il dit. He affected my life in such a way that I isolated myself from my family. I never wanted to see them again. I was just alone. For a long time, I could not even visit my own family, even when they called for me. My destiny was being delayed. My father called me that if I want to go back to any country, I should make a country of my choice. He will send me to the country. I refused just to stay back. Alors, il précise encore en disant que cet esprit de convoitise l'a rendu introverti au point où il n'avait plus le désir de rencontrer sa famille, ne voulait plus les voir. Et son papa, étant dans l'inquiétude, a voulu qu'il s'en aille, qu'il aille dans un autre pays. Mais cet esprit de rébellion a pris le devant et il a dit à son papa qu'il n'ira pas dans un autre pays. But after the prayer of the man of God, the spirit of lust left me, the spirit of masturbation left me, the spirit of stubbornness. I'm fine with my dad. We have all reconciled. Alors, l'Esprit de Dieu révèle pour racheter. Le monsieur nous fait comprendre que depuis qu'il a reçu sa délivrance, il est en harmonie avec ses parents. Cet esprit de masturbation, de convoitise et de rébellion totalement disparu de sa vie. Aujourd'hui, il est un homme heureux, il est un homme en paix et en harmonie avec sa famille. I used to have attacks in the dreams, but now even the attacks, I'm no longer having them again. I thank God for the prayers the man of God prayed for me. Il continue en disant qu'il avait souvent des attaques dans ses rêves, mais depuis qu'il a reçu cette prière, il n'a plus d'attaque, il est totalement libre pour la gloire de Dieu. I advise you out there, if you find yourself in the same situation like mine, you just need to seek the face of God for deliverance. Alors, comme conseil à tous ceux qui nous écoutent actuellement et nos téléspectateurs, quand vous passez par des situations similaires à la sienne, faites juste preuve de foi, cherchez la face de Dieu et il saura trouver solution à vos problèmes. My name is Sawan Ruth, and the person next to me is my elder brother. It was when my brother left for the village to bury the mom because he's my stepbrother. And he stayed back in the village for a month, and when he came back, he called me from Bamenda and said, Ruth, when I went to the village and I went into the bathroom to take my bath, I felt that something entered into my body. Alors la dame se présente et elle présente l'homme auprès d'elle comme étant son frère. Elle nous fait comprendre qu'effectivement, cette parole de prophétie qui est sortie dans la vie de son frère est vraie parce que son frère est parti au village pour l'enterrement de sa maman pendant un mois. Et quand il est retourné, il a appelé et il lui a fait comprendre que quand il était en train de se doucher, il a ressenti comme un esprit étrange qui est entré dans lui. My brother has really been stubborn. He left home. I stayed away from home for a while. And even when Father called him to come back home so that they could settle him, he refused to come. Our father asked us to beg him. We really did. We begged him, but still yet he refused to come back home. So when he went to the village and the Spirit got into him, like what the man of God prophesied, he started behaving strange, and I called him. He went to the hospital. They thought he was sick, and they admitted him for days. I said this was beyond the physical, that he should come, let's come and visit the man of God. Alors, elle nous dit effectivement que quand cet esprit étrange lui est entré, depuis lors, il avait un comportement désagréable. Il y a cet esprit de rébellion qui est entré en lui au point où il a fugué de la maison. On ne le trouvait plus. Le papa était inquiet, toute la famille, on l'appelait et il refusait de venir. Elle nous fait comprendre qu'ils se sont dit que c'est une maladie. On l'a amené à l'hôpital, on l'a retenu à l'hôpital, on lui a administré des soins, mais ils se sont rendus compte que jusqu'à là, ça n'allait pas. C'est alors que sa sœur a dit que ce problème est au-dessus de nos forces. Il faudrait qu'on cherche la face de Dieu. So when he came here for the last prophetic service, God touched his situation and the man of God located him. Alors, elle continue en disant que par la grâce de Dieu, ils ont donc décidé de se rendre ici au ministère de l'Arc de l'Alliance de Dieu, au culte prophétique dernier. Et l'homme de Dieu, apôtre John Chi, a pu localiser son frère et lui a révélé ses paroles de prophétie. Et cela a totalement transformé sa vie parce qu'il est désormais une personne libre pour la gloire de Dieu. My brother, who was stubborn, who never wanted to hear anything about God, he had left home for a while. After the prophecy and deliverance from the man of God, my brother can now wake up at midnight to pray. He prays ceaselessly. He even calls us at a time when we've forgotten to pray. That it's time for us to pray. So I just really want to thank God for what he has done. He has used the man of God to save our brother, to deliver him from his oppression. Alors, la dame nous fait comprendre que son frère, auparavant, était animé par cet esprit de rébellion qui l'a poussé à fuguer de la maison. Mais depuis lors, quand ils sont arrivés ici et ils ont reçu cette parole de prophétie, son frère est totalement libre. Lui, auparavant, qui n'aimait pas entendre parler de Dieu, il n'aimait pas prier. Il se lève à minuit et il prie désormais. Il est totalement libre et elle est également reconnaissante pour l'homme de Dieu qui s'est laissé utiliser par Dieu pour pouvoir transformer la vie de son frère. Before my brother came here, he used to have a series of nightmares. He would call me on phone before he even came to visit me in Boya, that people always come at night to kill him. He always have a series of nightmares. And then even about the smoking, he would smoke the shisha, do a video and post it on WhatsApp. After the deliverance, I can testify that everything is okay now to the glory of God. Alors, la dame continue en disant que par le passé, son frère avait l'habitude de l'appeler pour lui dire qu'il avait tellement de cauchemars dans la nuit qu'il ne se sentait pas bon, au point où il avait même l'habitude de fumer des drogues comme le chicha et il prenait des vidéos pour les poster sur Facebook. Mais elle dit que depuis sa rencontre avec Dieu, sa vie a totalement transformé. Il est une personne désormais restaurée pour Dieu. My brother came here with a desperate faith. And due to that, God could not just stay back but locate him. I just want to say that everyone who is out there passing through the same situation, it is your faith that will determine your healing, how far you seek God, and how you look up to him. He will surely deliver you from that situation. Alors, elle continue en disant que son frère, en arrivant ici, est arrivé avec une foi désespérée. Mais après avoir rencontré l'homme de Dieu, il est désormais affermi dans sa foi et elle conseille à tous ceux qui passent par de problèmes similaires de chercher la face de Dieu parce que c'est lui qui est le seul pourvoyeur de notre vie. When I came here, I was desperate for God to locate me, and he did. I will serve him for the rest of my life in truth and in spirit, and I will stay away far from sin, and I will make sure I'll be evangelist to my friends. To bring them back to Christ. Alors, avant d'arriver ici, le monsieur était désespéré. Il avait cette envie, cette soif de rencontrer Jésus-Christ. Et effectivement, Jésus-Christ l'a rencontré. Il le promet de servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité tout au long de sa vie.